quand? Donc, c'est ici qu'on est présentement. Et là, on quitte pour San Sebastian. Donc, on a passé la journée à Biarritz hier. Et là, on s'en va du côté de l'Espagne. Combien de temps d'ici? 1 heure max. Ben non, 39 km. Ouais, mais parce qu'on n'est pas autoroute. Ah. On se prend la côte. Donc, dans 1 heure, on va être en Espagne. La porte était fermée, il y avait ça derrière la porte. Oh putain! J'ai oublié, putain! Oh putain! C'est lui qui a fait l'itinéraire, c'est lui qui a fait les plans. Et moi, je suis. Mais est-ce qu'il est bon pour jusqu'à présent? Ah, il est très bon. Jusqu'à date. Ah, jusqu'à date, il est merveilleux. En fait, toujours merveilleux. Il est mouillé, mon sac. Je suis un peu fatiguée ce matin. Le nombre de kilomètres marchés commence à me rentrer dans le corps. Hier, on a quand même marché encore un autre 20 km dans Biarritz pour aller à la plage. On a visité. Je ne vais pas revenir reposer. Je vais revenir très, très, très relax, mais pas reposer comme si j'avais dormi des 12 heures par jour. Mais c'est pas grave, ça fait partie des vacances. Je vais vous montrer un peu la route pour San Sebastian. Je parle pas beaucoup dans mes vlogs, je m'en rends compte. Je vous montre beaucoup de choses, mais je parle un peu. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu plus aujourd'hui. The kid, the junior that is, will be down in a minute unless you'd like to take her drink up to her. Donc, bienvenue en Espagne, mon amour. Ah, San Sebastian. Merci. Là, il y a la baie. Là, il y a la baie. On va commencer par la baie. La baie, elle est juste là. Tu fais des vidéos ou tu fais pas des vidéos? Je suis paralégale, c'est ça mon métier. Non. C'est toujours comme ça. Oh merde. Moi je comprends pas. Pourquoi? Parce que t'avais pas allumé le bus. Ouais. À l'école, c'est tout. À l'école. Thank you.
comprennent pas que les Espagnols, ils ouvrent beaucoup plus tard que... Ils disent, il y a tout qui est fermé aujourd'hui. Donc ça ouvre à 3h. Tout ouvre à 3h? Ah oui. Tout. Tout. Le matin, il n'y a rien. Tout ce qui est... Non, ça ouvre le matin. Ok. De 10h à midi. Après, ça ouvre de 3h à je sais pas quelle heure. Mais tout ce qui est fermé maintenant, ça va être ouvert à 3h. Non, mais c'est juste commercial. Comment ça? Tout ce qui est gouvernemental. Ah, ça, je sais pas. Je parle du commerce. Est-ce que tu es heureuse d'être en Espagne? Ouais, très heureuse. Mais ça, les tapas? Ouais, c'est bon. Le bon vin? Ouais. Mais les tu gens... disais que les tapas espagnols, il y a toujours... Parce que nous, à Montréal, ils sont pas comme ça, les tapas. Oui. Non. Non, mais oui, c'est ça. Ok, c'est ça. Tellement de choses qui sont différentes au Québec. Parce que moi, les tapas, il y en avait quelques-uns qui avaient du pain en dessous, qui était servi avec le pain, mais il y en a d'autres que c'était pas... il est malade, lui. On a trouvé un petit café-resto de crêpes qui appartient à un Québécois. Ouais, c'est marqué en haut. Puis on peut franchement le voir par ça ici. Donc, on vient de rencontrer un Québécois qui s'est exilé dans les Pays Basques il y a 30 ans, à un échange, un programme universitaire. Puis, il y a deux commerces ici, à San Sebastián, qui est très intéressant. On lui a jasé un petit peu. Puis, ben, ça a fait du bien. Je pense qu'il était content de parler québécois. On va aller chercher Mayo. Moi, j'ai déjà mon maillot. Puis, on va aller se baigner un peu. Toi, tu t'appelles bien. Ton prénom, c'est bien. Bonjour, bien. Comment ça va? Ça va bien?